Merci, Monsieur le Président. Les Maldives, soleil, cocotier, plage de sable blanc, eau turquoise, hôtel paradisiaque. La carte postale est idyllique au recto, parce qu'au verso, c'est la charia qui dicte sa loi. La peine de mort établie depuis 3 ans, y compris pour les enfants. Le régime du président Yamin a l'amabilité de ne faire exécuter les sentences qu'à leur majorité. Les intimidations, les assassinats de journalistes et de blogueurs qui défendent la liberté d'expression, Ismail Ilat, Yamin Raïd et tous les autres. Les avocats, on l'a dit, suspendus pour avoir osé demander le respect de l'état de droit. La condamnation à 13 ans de prison du premier président démocratiquement élu, Mohamed Nachid. Les Maldives, c'est aussi l'un des plus gros fournisseurs proportionnellement de renforts djihadistes à l'État islamique. Et je n'ai pas encore parlé des femmes. Lapidation publique des femmes adultères, mariage précoce, viol, la liste est interminable. Sous la plage, c'est l'enfer. Alors autant le savoir au moment de cliquer, au moment de réserver ses vacances. 1 million de touristes, chaque année, c'est une arme de dissuasion massive quand la diplomatie échoue. Je vous remercie.